Donc lui, il a en plus un autre projet. Donc c'est Association des Moradores de Barroca, donc Association des habitants de Barroca. Donc il a un autre projet aussi, qui est un projet pour né pour le futur. Donc c'est une école de football, de Keïdage. Il vous faut un peu connaître. Je vais parler un petit peu avec lui, je fais la traduction. 16 à 14 ans, Donc, l'école de football qu'il aimerait mettre en place, il a déjà une partie, mais ce n'est pas vraiment structuré. Donc, c'est des enfants de 6 ans à 14 ans. une criança de 16 à 14 ans. Oui, de 6 ans à 14 ans, donc des enfants, des préadolescents. Donc, en fait, il a tout ici, le projet qu'il m'a apporté aujourd'hui. Donc, je n'ai pas encore pu le lire complètement. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et très motivant. Donc, il a tout en règle, donc avec les numéros, avec tout le. Comment est-ce qu'on dit pour avoir un projet pour avoir un projet de Jean-Claude hein, ou Myriam, je ne sais pas, ma soeur, pour avoir un projet. Attends, parce que là, je ne sais pas si je suis en train de passer ou si c'est coupé, voilà. Pour avoir un projet officiel ici au Brésil, on doit passer par un notaire. Donc, tout se paye ici. Hein. Donc, il a fait un projet. Pour entrer dans ce projet, il doit avoir un numéro de CNIPJ, qui est le compte, le numéro national de personnes juridiques. Et il doit passer chez le notaire pour mettre un cachet, ou sinon, ça n'a pas de valeur. Voilà. Donc, ici, vous dites des charges et vous faites un. Un poco et on retourne à ce projet. Donc je lui dis que je vais survoler les commentaires que j'ai ici. Et excusez-moi, j'ai une grippe. Oh là là, oh, il ne se coupe pas. Donc je vais survoler un petit peu les commentaires que nous avons ici, mes amis. Donc Oriane me dit qu'il est 19h24. Ici, comme je viens de jeter un. Ah. Donc, il paraît qu'en Belgique, il n'est que 7h30. Dites-moi un peu si je suis complètement à côté de la plaque. Non, parce que nous, on a changé d'heure pour, comment dire, pour l'heure d'été. C'est la première année qu'on change d'heure, parce que nous, on n'a pas besoin de changer d'heure ici, puisque nous avons assez d'énergie. Ah, Gigi Gura, mi amigo, disculpa, io parlo francese, eh? Donc, agora você va entender un poco le francese. Donc, j'ai un ami qui est ici sur l'île et il est en train de regarder le direct, mais le problème c'est qu'il ne parle pas français. Oui, on vient, c'est la première fois qu'on change d'heure, mais nous on a l'heure de brésilien, on a l'heure, on va rester à 5 heures de différence. Donc de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il est 8h, 8h. Donc c'est peut-être toi qui n'as pas la bonne heure. Dites-moi un peu les amis, si je suis complètement à côté de la plaque, quelle heure est-il en Belgique? Voilà, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il est 7h29 ou 8h29 du soir? Pessoas que falavam, você está 1 hora antes de l'horario. Mais comme nous mudamos l'horario, et puis la veste, nous mudamos. Donc, quando na Bélgica ele muda de horário por inverno, eles, porque nós somos eles, é outono, vai chegar inverno, nós temos 4 horas. Mas como nós mudamos também, não, que ficou com 5 horas. Então, para mim, eu não sou pá. É diferença, né? Ah. Isso aqui. Tem barulho que eu tenho medo de. Parce que j'ai un peu peur, parce que nous avons des problèmes d'énergie ici sur l'île avec les tempêtes. Il y a une lampe qui vient d'être démobilisée. Donc je suis en train de regarder. Je ne sais pas. Ah oui, mais c'est ici. Donc je lis un petit peu. Cécile Bélière. On sort ce week-end, donc il est 19. Ah, vous changez seulement ce week-end! Merci Cécile. Donc vous allez seulement changer. Nous on a déjà changé.
Ah, je comprends. Excusez-moi alors, je ne savais pas que vous n'aviez pas changé. Donc j'ai la. Na Bélgica, ele não mudou até agora. Vai mudar só no final de semana que vem. Mudar o horário. Ah. Ah, donc isso uma hora antes. Ah, mas se vous voulez, je peux, oui. Por isso que todo mundo está sentando. Si vous voulez, je peux fermer et je refais mon direct un peu plus tard. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, les enfants. Dites-moi un peu si je dois. Oh bien, voilà, je vais voir. Pendant que vous sentez, là, c'est là, on va changer. Ah oui, donc vous changez seulement la semaine prochaine, donc ce samedi. Le jour où je dois rencontrer une croix, je vais. Donc, est-ce que je dois faire le. Je vais couper et faire le direct d'ici une demi-heure, une heure. Dis-moi un peu, Oriane, dites-moi un peu, les amis, si c'est meilleur de faire plus tard. Oui. Ah, ok. Donc, nous allons cortar. Pour que tout le monde está. C'est tout à fait. Ok, ben on va couper et je reviens d'ici une demi-heure, une heure. Alors, ça va, les amis? Comme ça, vous pouvez déjà voir le replay. Parce que j'ai plein de choses à raconter. Parce que nous avons notre nouveau journal qui va arriver, que j'ai déjà arrivé. Ça, c'est notre nouveau journal. Nous avons notre nouvelle chemise. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc, vous parlez d'ici ou moins tard. Ciao, ciao, até mais. Donc, tout ce que nous faisons, déjà, les personnes peuvent regarder sur l'internet. Certo. Mais là, il va se mudar só. Parce que tout le monde está esperando à 8 à noite. Et chegou agora à 7 à noite. Donc, les personnes estão trabalhando e não estão voltando. E quando voltam, estão comendo. Fazer uma. Donc, vous verrez aqui. A pessoa falou que. Tem perturbação aqui. Rádio, não sei o quê. Que é isso? Um telefone, não sei o quê, dentro do autofalante. Por isso que peraí, tem. Peraí. Uma rádio, né? Eu não sei se é rádio ou se é dado. É isso que está fazendo tudo a perturbação para mim. Pessoas que estão falando, pode ver, te ver muito bem, estão ouvindo e tem barulho atrás. De, não sei o quê. Isso é uma merda de. É a rádio fazendo contato. Não é? Minha sobrinha quer falar bom dia a seu amigo Todo Moreno. 24 anos, é verdade. Tem outra sobrinha que vai chegar. Ah, vou cortar. Então vamos cortar um pouco porque nós somos muito cedo.